Donc la société SPAC est spécialisée dans les réseaux de fluides et en particulier sur la région parisienne et pour l'activité qui nous concerne sur la thermie et la climatisation au niveau parisien. Techniquement, on n'avait aucun souci. C'est des véhicules qui sont éprouvés, des techniques qui sont éprouvées, puisque tous les gens qui font de la collecte de déchets utilisent des véhicules gaz depuis 15-20 ans, donc il n'y avait aucun problème. Au niveau carrosserie, ça reste un véhicule traditionnel, donc il n'y a pas réellement de contraintes. Sur l'achat lui-même du véhicule, on est sur un véhicule qui est plus coûteux qu'un véhicule standard, qu'un véhicule diesel. Bah, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a quand même une possibilité fiscale d'un allègement de presque 40% de suramortissement, donc, ce qui n'est pas négligeable. On a un prix moyen qui reste très compétitif par rapport au gasoil. Et si effectivement le gasoil a tendance à remonter, on aura un différentiel favorable de toute façon au niveau gaz. Pour la partie ravitaillement, à proprement parler, sur le GNV, on n'a vraiment aucune différence avec une station traditionnelle. Il y a un système de détendeur, vous raccordez directement sur le réservoir et voilà, ça s'arrête automatiquement dès lors que vous avez fait le plein, comme un véhicule normal. Les GNV, ben, c'est économique, c'est silencieux et propre. Oui, je voudrais bien plus de bornes pour mettre le plein de GNV. Ça, c'est bien parce que c'est ça le convenu qu'on trouve.